Est-ce que je suis en autofocus? Oui. Bon et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo où ça va être génial. Non sérieux, ça va être un truc de fou. Donc on est en Auvergne encore une fois de plus. Et oui, grâce à la connaissance ultime d'Axel. En Auvergne, nous sommes en Rhône-Alpes, en région Ardèche. Et là nous allons au Mont Gerbier de Jonc. C'est un pic de pierre, je saurais pas vous dire la pierre que c'est. On a une vue de malade quoi, enfin c'est un truc de fou. Donc là on y monte, on va manger là-bas, on va faire quelques plans, j'espère qu'on va pouvoir faire voler le drone parce qu'il y a énormément de vent, je sais pas si ça s'entend. Et après on partira avec les sacs de randonnée et on ira dormir tout en haut du Mont Mézin. On est parti, on attaque le Mont Gerbier de Jonc et on se retrouve en haut. Ça va toi? Oui. Allez, on continue. On y va. Axel, quel est le problème? Tu vois les flashs là? Elles vont dans quel sens? Dis-moi. Elles descendent. Nous on fait quoi? Non, on monte. En fait, on est passé par le chemin inverse. On est passé par le chemin de descente et non de montée. En fait le but c'était de manger sur cette colline. Donc là on redescend, on va préparer les sacs à dos et on ira en direction de par là-bas en fait. Dis quoi? Hein? Ah. Ma petite. Merci. Ça c'est chez moi. C'est mon bar. Avant il s'appelait à l'ours bombé. À l'ours bombé? À l'ours bombé, ouais. Me demande pas pourquoi. Alors en fait on n'est pas là ici. On n'est pas ici juste pour. Alors en fait on n'est pas ici pour rien. On n'est pas là juste pour des cailloux. Bon déjà on est là pour la vue qui est juste extraordinaire. Mais on est surtout là parce que sous cette montagne, c'est la source de la Loire. Et oui, les amis, c'est ici que la Loire prend sa source. J'ai dit la même chose, mais d'une manière différente. Ici, ça prend sa source, c'est la Loire. Voilà. Tout ça pour dire. Quoi, arrête de me filmer. Oh, t'es dans la vidéo ou quoi? Oh, je suis timide. S'occuper? Ah, bah, je peux y aller. Je vais là. C'est quand même un endroit sympa parce que c'est un endroit complètement paumé au fin fond de l'Auvergne. Mais c'est super animé. Et là on a plein de petits stands où il y a des marchands qui vendent divers produits. Et oui Jamie, la Loire prend sa source juste ici. Elle arrive là et fait des fleuves grands comme ça. Qu'est-ce qu'elle est bonne! Bah tant qu'à faire. Allez, essayez tant de faire. Nous faire rentrer donc. Ah mais ça rentre bien, on a quitté. On sourit. Allez. Allez go. Tire. Un peu. On peut se reculer un peu aussi. Mais il va mieux. Ah mais il va nous faire ça bien dis donc. Ce que vous allez voir, c'est pas la source véritable. La source véritable, elle est un petit peu plus loin. La source géographique est ici.
vient de préparer les sacs. On est parti pour aller en direction du Mont Mézin pour aller y dormir. On vient de faire une petite pause à peu près au milieu du trajet. On vient du pic qui est juste derrière moi et là on va là-bas. Voilà, franchement c'est ouf. Enfin, vraiment, je vous fais une petite concession là, c'est complètement dingue. On est en pleine nature et ça fait vraiment du bien. Donc, si vous en avez l'occasion, je vous invite vraiment à faire ça. Comme pas forcément là où on est, mais d'aller dans la nature un petit peu, vous immerger. Et le paysage est magnifique. Bon, donc là, c'est assez tendu là pour descendre. Wow. C'est un peu abrupt. Vous êtes ben belles les mameux. Là, on vient de faire combien de kilomètres, Axel? Bientôt 8 kilomètres. Il nous reste encore 2 bons kilomètres à faire. Nous, on vient de la petite montagne en pierre là-bas. Et on va juste ici, le Mont Mézin. Ça veut dire qu'on va descendre un petit peu, on va remonter toute la forêt. Et on va au-dessus pour poser la tente. Voilà!
Donc juste là, il y a un truc qui bouge, on sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est une marmotte, voilà, marmotte renard, plus marmotte. Ça bouge, hein. C'est assez marrant. Allez, parce que il nous reste de la route. Les amis, nous sommes claqués au sol. Claqués au sol. Nous sommes dans la dernière montée pour aller jusqu'au Mont Mézin. La montée est dure, on sent la fatigue là, mais on donne tout dans les poideries. Il est 17h, on se rejoint au moins. Ça y est, on est arrivé au Mont Mézin, tout en haut du Mont Mézin. C'est complètement dingue la vue qu'on a. C'est bien ? Ouais, ouais, nickel. Parfait. Donc là, on s'est posé un petit peu, on a bu un coup, tout ça, tout ça. Et on a cherché un endroit pour la tente, on a trouvé. Donc on va aller poser la tente. Axel, camouflage. Camouflage. Arrête de fumer. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! Oh ! En vrai, je suis viril, hein ? On dort ou pas ? J'y arrive pas ! Je glisse ! Oh, toi, je te jure. On va dormir. Voilà. Oh, il est à peine 21h, mais on dort. Bonne nuit et à demain matin. Bisous. Oh putain, déjà la caméra, je viens de me lever gros. Il est actuellement 6h12 du matin. Quelle belle interprétation de réveil, Axel. J'ai officiellement dormi une petite heure et demie, je pense. Moi je me sens requinqué, je me sens bien calme et rafraîchi. Il y a un vent. Un vent à en décorner les bœufs. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Il y a une mer de nuages, genre c'est un truc de fou. Regardez ça. Oh, c'est machin la plus plus. On assiste à un lever de soleil. La ville qu'il y a juste derrière moi, c'est ça les Estables et c'est la petite station de ski d'Auvergne. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de redescendre
direction Les Estables, où on va faire du stop. Voilà, petite expérience stop pour rentrer jusqu'au Mont Gerbier des Joncs. Ceux qui nous ont pris en stop, si vous voyez cette vidéo, voilà, très très sympa. Pour clôturer cette vidéo, nous nous rendons dans le village de Mouder, un des derniers villages à avoir conservé les toits en chaume.